having people do at the very beginning is to. Ce que font les gens vraiment au tout début, c'est de comprendre qui est cette communauté qui est réunie ensemble. C'est toujours la première chose qu'on fait en intelligence collective, c'est savoir qui nous entoure. Et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est savoir qui est dans la salle, leur histoire, leur formation, leur expérience, leur passion, et ce qu'ils apportent à cette communauté de spécial, d'unique et différent. Special, unique and different. Salam alaikum. L'école d'intelligence collective à l'UM6P, ici à Bengrir pour le jour d'inauguration de notre école. Après 6 mois de travail et une première version de notre cursus de base, on est là avec une centaine de chercheurs, des innovateurs, pour partager, pour échanger et pour construire ensemble l'avenir de cette école. Pourquoi l'intelligence collective? C'est une discipline ancienne, mais avec des enjeux très actuels, très, très intéressants qui se passent au Maroc maintenant. Grâce à la fondation de cette université, on a une vraie opportunité de faire une université autrement. Moi, j'ai étudié à plusieurs grandes universités du monde entier, comme Yale, comme Cambridge, comme la Sorbonne, et je vous dis que ce qu'on peut faire au Maroc, ce ne serait pas possible en Europe ou aux États-Unis. On va faire des liens entre des disciplines comme la science cognitive et la philosophie. On cherche à faire un laboratoire de partage de méthodes, d'outils dans la recherche pour capitaliser sur ce moment historique. C'est une école d'innovation et pas de la diplomatie étatique. C'est clair que les formes de pouvoir sont en train de s'évoluer. Il ne s'agit pas juste des conférences des diplomates, mais maintenant des échanges directs entre les Américains, les Européens, les Africains, les Brésiliens. Et c'est ce genre d'échange qu'on va inciter, on va favoriser, l'échange citoyen à citoyen, chercheur à chercheur, PDG à PDG, association à association. Et ce lieu à Bengrir, ce sera un hub, un point focal pour ces échanges à niveau mondial. Merci beaucoup. Nous avons été choisis pour participer à la masterclass Intelligence collective, où nous avons eu la chance de parcourir plusieurs briques qui sont aujourd'hui des fondements à la création d'une intelligence collective, notamment tout ce qui est histoire, data, philosophie et éthique, community organizing. On s'est vu la démocratie participative, nous avons vu tout ce qui est histoire, et définition des concepts qui animent l'intelligence collective. Cette formation nous a donné des différents outils pour les adopter dans notre travail quotidien au sein d'OCP, et ça va nous aider à créer un changement dans toutes nos approches qu'on mène dans le terrain avec les communautés locales. Nous honorerons le bien chez les autres et en nous-mêmes. We will not abandon those who need our help. Je suis professeur de sciences politiques à l'université de Yale aux États-Unis. Et donc je suis très contente d'être là. J'ai trouvé que la journée s'est déroulée en accord avec les principes de cette école, c'est-à-dire que c'est très inclusif, c'est très participatif, c'est généreux, empathique. Ça vraiment, ça pratique ce qu'il prêche.